tout le monde. Je suis en train de tester Miles, la moto. Et, son accélérateur reste coincé. Donc, il est difficile de ralentir. Waouh! Stop! Oh, il était temps qu'on répare ça. Je vais chercher une pièce de rechange dans le garage. Allez, les petits! Oupsie! Je vais t'aider à le trouver, grand-mère. Oh, la radio est toujours cassée. Hein? Ne t'inquiète pas. Gecko va te soigner. Oh, miaou, waouh! Regarde-toi! J'ai toujours voulu conduire une moto! Wouhou! Andale! Arriva, arriva! Et voilà, Miles! Wouhou! Grand-mère, tu auras besoin de ce tournevis. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Tu as donné ta langue au chat? Non! Keki, elle a ma moto! Ah! Oh, l'accélérateur est coincé! Je ne peux pas m'arrêter! Nom d'un tournevis qui tourne! Accroche-toi, Kat! Nous devons nous dépêcher! Allez, Ricky! Je peux te faire voler, chérie! Tu sais piloter un hélicoptère? Un peu rouillé, mais pilote un jour, pilote toujours! Kat, tu vas bien? Gecko, cette moto est hors de contrôle! Elle ne veut pas s'arrêter! Parce qu'on est encore en train de la réparer! J'aurais dû demander d'abord! Attends! Qui pilote Elena? Pas le temps d'expliquer! J'ai un plan! Grand-mère, fais-moi descendre! Oh! Hein? Wow! Oh! 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 Ah! Il est temps d'aider nos amis dans le besoin! Avec une solution pour réduire la vitesse de Miles! Oh. 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 Dépêche-toi, Gecko. Je n'aime pas du tout l'eau. Freine maintenant, Kat. Oh. Oh. Je suis désolée d'avoir emprunté la moto, Gecko. Eh bien, en fait, Miles est l'ami de grand-mère. Waouh. Tu dois être grand-mère Gecko. Je m'appelle Catalina Felina, mais mes amis m'appellent Kat. C'est un plaisir de vous rencontrer. Si vous voulez des leçons de moto, il suffit de demander. Je suis là. Tu as la meilleure grand-mère du monde. Merci, ma chère. Elle me plaît, Geki. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir! J'adore ce que tu as fait avec le garage, mon petit Geki. Il était très différent à mon époque. Oh, merci, grand-mère! Tu aimes te faire nettoyer, hein, Miles? Il a l'air tout propre, les petits. Au secours! Au secours! Je ne peux pas l'arrêter! Monsieur Weasel, il a des problèmes. Grand-mère, attends! Merci, Rouge. Reculez, les enfants! Grand-mère arrive! Monsieur Weasel, mais quel est donc le problème? L'accélérateur est bloqué! Je ne peux pas ralentir! Au secours! Grand-mère! Le toit ouvrant! Bien reçu, mon petit! Oh! Ah. Gecko, fais-la s'arrêter! Oh! Désolé! Oh! L'accélérateur est collé avec du chewing-gum. Bah. Oh. Ah. Ah. Oh, ouf. Ah. Il s'en est fallu de peu. N'importe quoi. J'avais tout sous contrôle. Ah. Je n'aurais pas pu réussir sans toi, grand-mère.
Pas de problème, mon petit. Tu as bien réfléchi. Je suis fière de toi. Oh, merci, grand-mère. Ah, c'est tellement agréable d'être en vacances. J'adore le camping. Oh, le feu s'affaiblit. Jaune, tu peux aller chercher du bois, s'il te plaît? C'est le moment de raconter une histoire. Je crois que le livre d'histoire est dans la caravane, Vert. Merci, Jaune. Attends une minute. Ce sont les butées de roues. Ce qui veut dire... Vite! Arrêtez cette caravane! Ah. Hey! Oh! Il doit y avoir un moyen de l'arrêter. Ah! Oh! Ouf! Merci, Hiver. Ah! Eh! Oh! 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 Eh! Ah! Ouh! Sacré coup de tournevis! Ah! Bon travail, Tilly! Oh, bien joué, tout le monde! On l'a échappé belle! Oui, Vert, c'est maintenant l'heure de l'histoire! À la prochaine! Au revoir! Allez, Bleu, c'est l'heure d'aller se coucher! Bonne nuit, les mécaniciens. Hein? Bobby, que fais-tu ici si tard? Oh là là, tu as besoin d'une nouvelle roue. Je peux réparer ça. Mais il ne faut pas faire de bruit. Ah! Oh! Ouf, on l'a échappé belle. Oula! Non, 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 non. Hey. Oh! C'est fini, Bobby. Bonne nuit. Je vais peut-être juste m'asseoir un moment. Merci, la pluie s'est arrêtée. Maintenant, on peut commencer notre pique-nique. Hein? Hola! Je suis nouvelle en ville. Kat est mon nom et le sauvetage est mon truc. Je suis ici pour protéger tout le monde. Salut Kat, je suis Gecko et eux sont les mécaniciens. On est en train de faire un pique-nique. Tu veux te joindre à nous?
Oh! Est-ce que vous avez des sandwichs au thon? Je crois que oui. Est-ce qu'il en reste, Tilly? Tilly! Oh! J'arrive! Oh non! Elle s'enfonce dans la boue! Tilly est en train de s'éloigner! Vamos, Elena! Il faut sauver quelqu'un! Ça ne va pas marcher! Oh! Accroche-toi, Tilly! Tiens-toi bien, Bleu! Oh! Je n'arrive pas à l'attraper! Gecko! Utilise le parapluie! Ah ah! Oh! C'était moins une. Ah, et voilà, Tilly. On forme une bonne équipe, Gecko. C'est vrai. Merci pour ton aide, Kat. Il est temps de repeindre le panneau, les mécaniciens. Bleu, tu peux aller chercher la peinture verte et emmener Jaune sur le toit pour nous aider? Oh, mince! Fiona a reçu un coup sur son pare-choc. Viens à l'intérieur et réparons-le. Vert, il nous faut de la colle extra forte, s'il te plaît. La colle n'est pas censée être verte. Bleu et Jaune doivent avoir la colle. Vite! Rouge, monte sur le toit! Oh, pauvre Rouge! On va devoir monter sur le toit d'une autre manière. Oh mince! Quelle situation délicate! Il faut te libérer avant que la colle ne prenne complètement. Fiona, on peut t'emprunter ton tuyau? Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens. On va bientôt vous libérer. Bon travail, tout le monde. Fiona et moi avons l'air tout neuf. Oh! Salut tout le monde! Vicky, le camion à glace est en réparation. On est en train de faire quelques finitions. Merci, Jaune. Est-ce que je pourrais avoir un tournevis? Attention, les mécaniciens. Ce tuyau est plein d'air glacé. C'est comme ça que Vicky congèle sa glace. Jaune! Ne touche pas ce bouton!
Merci, les mécaniciens. Vous m'avez sauvé. Maintenant, finissons de réparer Vicky. Merci, Vicky. Au revoir, tout le monde. Bonjour à tous. On se prépare pour un carnaval. Les mécaniciens sont en train de terminer leurs costumes. Oh, j'adore ta veste, grand-mère. Merci, Geeky. Le carnaval, c'est l'amour. Bon, où sont mes mini-métallos? Je veux voir leurs costumes. Une banane brillante. Oh, bleu, mon cœur. Tu n'as pas à être timide, Vert. Tu es superbe. Attendez, où est Rouge? Allez, tout le monde, commençons ce spectacle. Qu'est-ce qui ne va pas, l'ami? C'est le design de ton costume? C'est génial! Vraiment! C'est normal d'être nerveux, Rouge. Mais ne t'inquiète pas de ce qu'on pense de toi. Le carnaval, c'est l'occasion de s'exprimer et d'être fier de ce que tu es. Et je serai toujours fier de toi. Oh ouais! Démarrez vos moteurs! Allez, Rouge, tu peux le faire. Je suis si fière de vous tous. Que le carnaval continue. Oh, tu es bien matinal, Eric. Les mécaniciens, Eric est impatient de faire ses réparations. Allez, les têtes endormies. Vous devriez être plein d'énergie après avoir rechargé toute la nuit. Faisons les réparations d'Eric pour qu'il puisse repartir. Ce qu'ils ont aujourd'hui. Hein? Waouh! Tu as raison, Eric. Leur prise de chargement a été débranchée pendant la nuit. Pas étonnant qu'ils soient si faibles. Allez, les mécaniciens endormis, c'est l'heure de se recharger. Oh! Échec et mat. Ouais! Ok, les mécaniciens. Vous êtes tous entièrement rechargés. Alors, mettons-nous au travail. Hihi, fini, Eric. On se revoit très bientôt au garage de Gecko. Je ne me sens pas très bien. Oh mon Dieu! Il y a la visite de Carrie le bus aujourd'hui. Vous pouvez vous en occuper, les mécaniciens? Ah!
tout va bien. Ce bruit. C'est bon. Je me sens mieux maintenant. Hein? On dirait que tout est sous le contrôle des mécaniciens. Bon travail, tout le monde! Bleu! Bleu! Où es-tu? Bonjour, tout le monde! On travaille dehors aujourd'hui parce que l'échelle de Fiona est coincée. Elle est trop grande. Oh! On devrait aussi vérifier tes pneus, Fiona. Oh, Bleu! Quelqu'un pourrait-il aller chercher le cric? Bon travail, Rouge. Je vais prendre ma clé à molette. Robot rebondissant! Ne t'inquiète pas, Rouge. On va te faire descendre. Vert, jaune, ramenez-moi une couverture. J'ai une bonne idée. Rouge, quand je te dis de sauter, tu sautes, d'accord? Saute! Oh! C'est le moment d'être un héros. Tu es prêt, Bleu? 3, 2, 1, sautez! Vous inquiétez pas, on va vous attraper. Ouf! Tu as sauvé la journée, Bleu. Hourra pour le héros! Venez, super mécanicien. Finissons les soins de Fiona. On se revoit bientôt. Au revoir. Oh, regardez les mécaniciens. C'est la famille Camion. Bonjour tout le monde. Oh, c'est un beau bateau que tu as là, bébé Camion. Oh non, un pneu. Il se dirige droit vers le bateau de bébé. Ouf! Merci, maman Camion. Maintenant, nous pouvons recycler ce vieux pneu. Attendez! Regardez! Encore des déchets! Ils doivent venir de quelque part en amont de la rivière. Allons-y! Reste ici, Jaune. Protège le bateau. Encore des déchets, là. D'où peuvent-ils bien venir? Monsieur Weasel, que faites-vous? Oh, Gecko, j'essayais de me débarrasser de tous mes déchets. Oh, les freins sont bloqués. Vous ne devriez pas jeter vos déchets dans la rivière. Ah! Ah! Oh! Oh non! Il se dirige droit vers le bateau de bébé Camion. Oh!
au secours! Vous ne devriez pas jeter vos déchets dans la rivière, Monsieur Weasel. Ça salit la rivière. Vous avez presque détruit le bateau de bébé camion. Un bateau? Je n'ai pas joué avec un bateau depuis mon enfance de belette. J'ai une idée. Les déchets peuvent être recyclés. On peut faire des choses super à partir de vieilles choses. Je vais vous montrer. Levez l'ancre! Attention, voici le navire Weasel! C'est tellement amusant! La rivière est propre à nouveau. À la prochaine, au revoir! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est Barry le bus. On dirait qu'il est pressé. Est-ce que ça va, Barry? Oh, tu as peur d'être en retard? Tu n'arriveras à rien comme ça, mon ami. Voyons voir ce que tu as. Vert, tu peux aller chercher ma meilleure clé à molette. Oh, Vert, tu es stressé, n'est-ce pas? Je pense qu'on a tous besoin de respirer profondément. Laissez-moi vous montrer. D'abord, on prend une profonde inspiration. Ensuite, on expire. Maintenant, essaye. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, voilà. C'est mieux? Souviens-toi, il est toujours bon de prendre une grande respiration si tu es stressé. Au revoir, Barry. Non, Max. Ah, mais c'est quoi tout ce bruit? Super atterrissage, Max. Ces nouveaux ressorts de suspension t'ont aidé à atterrir en douceur. Je pense qu'on n'aura pas besoin de mon plan de secours, hein, Rouge? Je dois juste faire quelques derniers ajustements. Tu veux être comme ton frère, hein, Molly? Reste bien ici. Je vais donner à tes roues des ressorts de suspension bien meilleurs que ceux de Gecko. Tu vas voir. Presque fini, Max. Qu'est-ce que c'est? C'est plus rebondissant que je ne le pensais. Oh non! Molly est trop rebondissante! Il faut l'arrêter! Vite, Rouge! Le plan de secours! Prêt, Rouge? Maintenant, Rouge! Actionne le plan de secours! Tout va très bien, Molly. Je sais que tu voulais juste être comme ton grand frère. On va réparer ces ressorts, d'accord? Vas-y, Molly. Gecko pense qu'il peut faire de meilleurs ressorts que moi. Ah!
grâce à ces nouveaux ressorts, tu pourras bien atterrir. Allez, au revoir, Molly. Tu peux aller jouer. Les portes du garage s'ouvrent à toute vitesse. Il est temps d'aider. Beaucoup de véhicules dans le besoin. Nom d'un petit tournevis, les mécaniciens. Nos amis ont des pneus à plat. Oh là là, on dirait que les véhicules sont fatigués d'attendre. Oh, des écrous et des boulons. Je n'ai jamais eu à fixer autant de pneus aussi vite. En parlant de pneus rapides, ça me fait penser à... Grand-mère! Voilà mon petit Geki. Avec un très gros travail sur les bras. Comment le sais-tu? Le cher petit bleu m'a fait savoir. C'est bien de demander de l'aide de temps en temps. Merci à vous deux. Heureuse de t'aider, comme tu m'as toujours aidée, ainsi que tous les autres. Maintenant, les enfants, on s'organise. Allez, allez, grand-mère. Bon, les mécaniciens, j'ai une idée. T'es exercé, Geki. J'ai appris de la meilleure. Reviens vite, mon cher. Merci, grand-mère. Je ne me lasserai jamais de travailler avec toi. Et tu ne te lasseras jamais de tes blagues non plus. Maintenant, qui a faim? Tu mérites un peu de repos, grand-mère. Mais j'ai apporté ton plat préféré. La tarte aux pommes de grand-mère. Oh! Bonjour à tous. On est sur le point d'installer le nouvel accessoire de Trevor. Vert, peux-tu me passer le... Vert? 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 Où es-tu? Oh! Oh! Vert est en train d'arroser son arbre préféré. Oh, 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 oh! Hors de mon chemin, Minus! Je vais construire mon nouveau café de malbouffe. Et cet arbre est sur mon chemin! Ah, on dégage les poubelles! Cet arbre est de l'histoire ancienne! Monsieur Weasel, vous ne pouvez pas abattre l'arbre préféré de Vert. Pourquoi pas? C'est juste un arbre stupide. Parce que... Oh! Oh! Oh. Les pommes. Ah ah! Ça me donne une idée. Trevor! Moustache frétillante, qu'est-ce que tu fais? Oh. Oh. Ah. Vous voyez, Monsieur Weasel? L'arbre est important. Il fait pousser des pommes savoureuses. Vous n'avez pas besoin d'un café de malbouffe quand vous avez cet arbre. Ah, tu crois que je préfère avoir des pommes stupides plutôt que... C'est délicieux! Je suis fière de toi, Vert. Tu as été courageux et tu as protégé cet arbre. Bravo! Hey, c'est Max, le Monster Truck. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi aujourd'hui? Oh, tu veux ressembler à ton héros, King Crash? Je crois qu'on peut y arriver, Max. Je vais prendre mes outils. Les mécaniciens, vous pouvez commencer. Oui.
Voilà, j'ai pris mes outils. Les mécaniciens, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, vous pouvez tous penser qu'il est joli, mais ce n'est pas ce qu'il voulait. Ne t'inquiète pas, Max, on va arranger ça. On a fini, Max. C'est ce que tu voulais. Un autre client satisfait au garage de Gecko. À la prochaine. Et voilà, Rouge. Tu es comme neuf. Ah, j'ai l'impression que c'est hier que je vous ai tous construit. Mais ne vous inquiétez pas, je garde vos plans en sécurité ici. Ainsi, je saurai toujours comment vous réparer. Si je pouvais mettre la main sur ces plans, je pourrais fabriquer mon propre mécanicien. Et mon garage serait alors le meilleur au monde. Réveille-toi, Sly. J'ai un plan astucieux. Oh, Sly, qu'est-ce que tu fais là? Où est Monsieur Weasel? Un problème avec ton pot d'échappement? Eh bien, si Monsieur Weasel n'est pas là, je vais y jeter un coup d'œil. Je vais trouver ses plans. Je vais trouver ses plans. Peux-tu me passer une pince, s'il te plaît? Laisse tomber, poubelle. Les plans sont à moi, maintenant. Ouf, je l'ai eu. Ah, tu es réparé, Sly. Ouf. Hé, Rouge, tu as déjà besoin d'une autre réparation? Bonjour, Bobby. Allons bon. Remplaçons ce vieux pare-choc. Ah, écoutez-moi, les mécaniciens. Pouvez-vous enlever le pare-choc, s'il vous plaît? Avec précaution. Attention. Attention. Attention, les mécaniciens. Nous devons travailler ensemble. Ouf. Merci, Vert. Oh, oh mince. Vous allez devoir finir la réparation tout seul, les mécaniciens. Merci, Vert. Oh, les mécaniciens, vous devez travailler ensemble. Oh, bon travail, les mécaniciens. Vous voyez ce qu'on peut faire quand on travaille en équipe? Comme neuf, Bobby.
Bien joué, Vert. Bonjour à tous. Bébé Camion est venu pour jouer avec les mécaniciens. Je viendrai bientôt jouer. Je dois juste finir de changer les roues de Fiona, le camion de pompier. Quelqu'un a besoin d'aide. Oh non! Il y a un incendie et Fiona ne peut pas aider. On n'a pas fini de changer les roues. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah ah! C'est ça! La station de lavage. Bébé camion, ça te dirait d'être un camion de pompier pour la journée? Allez, allez, bébé camion de pompier! Tout va bien, Trevor. N'aie pas peur. Les pompiers de Gecko sont là. Oh non! Il y a une fuite! Occupe-toi, Rouge! Tout va bien, Rouge! Pas de problème, Trevor! Ah, et bravo, bébé! Tu fais un très bon camion de pompier! Au revoir tout le monde. C'est ça les mécaniciens. Nettoyons le garage comme il faut. Oh, on dirait qu'on a des clients. C'est la famille Camion. Maman Camion, Maman Recyclage et Bébé Camion. Il n'a pas l'air très content. Une dent qui bouge. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, bébé camion. Quand elle tombera, tu pourras la mettre sous ton oreiller et tu recevras une belle pièce d'or. Oh non! Bébé camion a perdu sa dent qui bougeait. Oh, ne t'inquiète pas, on va la retrouver. Allez, allez les mécaniciens! Burk! Désolé, Vert. Ce n'est pas une dent. Oh! Et, oh! Ah! Attention, Jaune! On a cherché dans tout le garage. Et il n'y a aucune trace de la dent de bébé camion nulle part. Oh. Juste une minute. Il y a un endroit où on n'a pas vérifié. C'est dans le plumeau de bleu. Ah ah! Et voilà, bébé camion. Maintenant, rentre chez toi et mets-la sous ton oreiller. Et on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures excitantes au garage de Gecko. Au revoir! Achou! Hehehehe